prendra rien de nouveau stuff, c'est ça le truc. Travailler plus de dégâts, et avec un tout petit peu plus de PV max, mais ça m'augmente pas tant que ça ma survie, quoi. Ça sera forcément mieux parce que bah, plus de dégâts, donc plus de vol de vie, plus de vita, donc le Dococo qui soigne mieux. Mais fondamentalement, si on voit, si on regarde bien, ce qui dérange, c'est autre chose, quoi. Ah, j'ai loupé mon T1. Si je fais Kaboom maintenant, je peux pas me booster. Donc on va pas Kaboom maintenant. On Kaboomera le tour prochain. Peut-être que je peux dernier souffle finalement maintenant. En vrai. Tout dépend si tu penses, Poub. Ouais, c'est vrai, hein, tout flux. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Je suis pas Kaboom. Donc on va faire ça. Kaboom. On met une kawotte là-bas. Merci Nax pour le prime. On va mettre rémission. La demoiselle. Est-ce que finalement je pourrais pas... essayer de rusher la demoiselle. Là, je vois que tout le monde setup par là, et moi, si je monte. Hein. Après, ils descendent parce que je mets des bombes. Bah, merci à toi, mec, pour ton prime, ça fait plaisir. Vous pouvez envoyer vos Dofus Book dans le chat. Ah. Je me suis fait trucider une bombe facilement, quand même. Hein. Merci Tojimoki pour le prime. Ah, merci Kainiza. Mmh. Ouais, trop problématique ce mode-là, il n'y a pas de PO dessus et il n'y a pas beaucoup de dégâts feu. Merci. Merci d'avoir tenté le coup. Ultime chaussure, merci pour le sub gift à Damien. Ultime chaussure. Merci Tojimoki pour le sub gift à Doc Cookie. What? Qu'est-ce qui se passe d'un coup là? Merci Kainiza. Ouais. Merci les gars. Le petit train de hype là. Vous êtes en train de bombarder les subs. Aspilateul. T'as vraiment pas grand chose qu'avec deux bombes. Hein. C'est vrai qu'elle a des résifeux, mais quand même.
Ah, pourquoi pas. Bonjour Trompa, comment tu vas? Si je mets un double Rox comme ça... ...200 et 200... ...je meurs pas maintenant. Si je fais péter... J'aurais pu voler de la vie avant, du coup. Bon, avoir la demoiselle qui meurt avant le truc qui colle et le Dostrogo, c'est bien, mais... Mais bon, je vais quand même décéder, je pense. Tant pis, on fait aucun challenge, Wastandy. On n'arrivera même pas à faire duo, honnêtement. Très honnêtement... J'avais des PA en plus, je suis bête. Il faudrait vraiment que je mette Flamish. Il y en a qui veulent faire solo Odyssée, c'est la dernière salle, oui, effectivement. S'il y en a qui veulent faire solo Odyssée de votre côté et que vous voulez mettre des compagnons, il n'y a pas de souci, les gars, hein, vraiment. C'est moi hein, qui m'interdit le compagnon, ça fait partie de mes règles. Mais vous pouvez très bien, ça restera quand même louable, hein. C'est moi qui m'interdit les compagnons, le chat. Ça veut pas dire que... Hop. Si vous arrivez à faire tout le jeu en étant que vous et votre compagnon en seul, en solo, c'est insane hein, déjà. Merci Skizwa pour le subgift. Oh, on a atteint les 600? Ah, pas encore, visiblement. Ou faut attendre, ça va peut-être s'actualiser. Kaboom. Et Toupi. Voilà. Enfermez le Moon. Merci pour le Prime, Dombouif. On est à 600, les amis. Réel. C'est réel, ça? 600 subs. Ça faisait tellement longtemps que c'était pas arrivé. Ça faisait vraiment longtemps que c'était pas arrivé, le chat. Hein. Bah, merci. Merci beaucoup. Il nous faudrait 2 PA à réinvestir. On peut peut-être éviter le dernier souffle. La cavotte, ça coûte trop cher. On peut mettre une arachnée, elle sert à rien, mais au moins... On a 2 PA à investir, on a dit. On va mettre un mousquet. Et voilà. Barbe, son kiff, c'est tryhard de solo. Ça veut pas dire que vous devez faire 100% pareil. Bah, en soi, l'aventure solo Odyssée, ouais, c'est full solo, donc... Normalement, c'est aussi sans compagnon. Mais après, si vous faites l'aventure avec un compagnon... Faites-vous kiffer le chat. Hein. On va prendre ça. Extraction. Étoupie. Kawotte. Extraction, on aurait pu. Non, c'est dommage, s'il avait mis le feu, franchement, ça aurait été bien. Oh, peut-être pas en fait, vu le placement. Je préfère éviter. Allez, mets-nous le feu.
Mets-nous le feu David Guetta. Là. Oh. Avec 3 PM cela dit. La mèche. Quel est le meilleur compagnon? Ah, on avait déjà essayé d'en parler de ça, mais pour ça, il faut vraiment tous les avoir pour déterminer quel est le meilleur compagnon. Et ça, c'est pas donné, ça. On va faire ça. 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 Et je mets une bombe. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Hop. Purée de pommes de terre, il a tué mes meilleures bombes. Il a tué mes meilleurs hommes, le monde. Mais je vais pas me laisser faire. 1, 2. C'est déjà ça, on va dire. Et je fais un étoupie. En vrai, il a invoqué le dernier, le tour d'avant. Donc là, ça va tout péter. Donc, autant que je fasse péter moi aussi de mon côté. J'aurais pas le temps de resetup des... Oh, j'aurais dû m'enfuir. J'aurais dû m'enfuir. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. J'y répondrai volontiers dès que j'aurai pu ça à tryhard. J'essaye le chat, j'essaye. Encore sous kaboom, mais pas comme ça. Nedine. On peut aller là. On peut remettre une torne à bombe. Extraction. Extraction. Bon, il tape en zone, de toute façon. J'ai envie de dire. Ou alors, il va pas tenter de me taper. Parce que du coup, il se dit, oh, c'est chiant à trouver. Oh, le noobs. Ah, c'est un noob. Ok, ça va, il n'y a pas le totem feu. Sinon, ça faisait quand même vachement loin. Ça, c'est une torne à bombe. Espignol. T'as pas voulu me donner celui qui m'intéresse depuis tout à l'heure. Bon, au moins je le tacle. Ça c'est important. Comme ça après il est plus embêté pour pouvoir spawn son totem feu là. Là il va le mettre. Et je sais pas trop où il va se placer mais... Oh c'est très gentil ça monsieur le moon. Merci. Bien que futile, ce fut fort agréable.
J'ai qu'un seul tour pour réussir à taper le Moon. J'ai pas le Blabot et j'ai pas... que je puisse en fait il faudrait que je puisse attirer un ah oh, tant pis on va faire comme ça on a qu'un seul tour de toute façon on avait vraiment pas le choix hein. Bon. L'avantage du forgelance sur ce combat, c'était que je pouvais vraiment faire le durer le combat à l'infini, quoi. Hein, j'avais le shield, je perdais jamais de points de vie. Le totem feu, il, pour le placer, franchement, ça va être long, hein. Ça prend tellement cher. C'est sérieux là ce qui vient de se passer? What the fuck? J'ai un totem qui vient d'être posé sur la case qu'il me faut. Ben, enfin. On va kaboom. Et toupie. Comme ça on se booste. On va tuer ce truc. Le Darkly, il est en train de me regarder avec son... avec ses petits yeux blancs, là. Ça va pas du tout, ça. Hein. J'ai une idée. J'imagine... Alors, peut-être que c'est une idée de merde. Mais vous allez voir... Il y a de la réflexion, le chat. Peut-être que c'est une idée de merde, encore une fois. Mais, elle a le mérite d'être réfléchie un petit peu. Donc là, je l'ai déjà tapé, certes. Mais normalement, techniquement, le totem, il est invoqué par le Moon. Donc moi, si je me mets là, là, ici. Et que le Moon ne me déplace pas. Me déplace pas. Nice. Normalement, à la fin du tour du Darkly, ça hit sur le totem. Non ! Ça a pas hit. Bon, bah c'est de la merde. Alors, viens là toi. Salut ça. J'ai envie de pipi. Il n'y a pas de tour totem, c'est un statique. Et à ton avis, est-ce qu'il y a des tours bombes, KB? À ton avis. Eh bien, figure-toi que si. C'est bizarre comme truc, hein. On l'a constaté quand on prenait des poisons sur les bombes. Les poisons des bombes proquaient dès que je passais mon tour. Oh le chat, on a réussi le Moon. Zéro succès. C'est la honte. Mais on est niveau soi, on est à niveau 100 avec un stuff 60. Et oui, KB. Oui, KB, mes bombes prenaient un poison. En début de tour, de début de leur tour fictif, parce qu'elles n'ont pas vraiment de tour et elles prenaient toutes les trois, alors qu'elles n'étaient pas invoquées en même temps, le poison en même temps.
Merci pour les GG les gars, mais je pense que ça mérite vraiment pas autant de GG dans le chat. On a fait 0 point de succès, on rappelle qu'avec le Forge Lance... avec le Forge Lance, on a fait ça à l'époque. Hein. Bon, on avait galéré aussi, mais on était... On tankait à l'infini. Parce qu'on avait Phalange, enfin, on se donnait du shield de fou, quoi. Ah, merci. On a enfin fini ce moon de merde.